Cécile Duflot était en visite aujourd'hui à Wattrelos. La secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts s'est rendue sur un site en pleine reconversion écologique, la friche Kuhlmann. Cette friche a été dépolluée et aménagée en espace naturel. Son ouverture est prévue pour cet été. Cécile Duflot nous parle de ce territoire d'avenir au micro d'Idil Gunaï. Mais il y a plusieurs choses qui sont exemplaires ici. Il y a d'abord le choix de réhabiliter une friche en gardant son histoire, donc c'est-à-dire une partie de sa pollution, mais en la transformant. Ensuite, c'est d'offrir un espace ouvert avec un point de vue à l'ensemble de la population, un grand parc qui offre aussi des zones humides dont on a beaucoup besoin parce qu'on sait que dans le cadre du travail sur une trame verte et bleue, les zones humides sont des endroits à préserver. Donc c'est vraiment quelque chose de très exemplaire qui montre que l'histoire peut évoluer, qu'on peut transformer ces sites et en gardant ce qu'ils ont été, un lieu de vie et de travail pour des milliers de personnes, et aussi en offrant une nouvelle fonction pour les habitants de cette région.